Premier obstacle pour Gérald Darmanin, la motion de rejet des écologistes. Si elle est adoptée avec l'aide de la droite, c'en est fini du débat dans l'hémicycle. Inimaginable pour le gouvernement. Ce serait étonnant que les députés, sur un texte qui intéresse tout le monde, que ce soit pour ou qu'on soit contre ce que fait le gouvernement, l'immigration, c'est un sujet qui est très largement débattu dans la société. C'est-à-dire que les députés qui représentent les Français ne voudraient pas discuter du sujet. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre le texte. Enfin, c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux. Les Républicains critiquent le texte revu par la commission des lois à l'Assemblée, loin de la version initiale votée au Sénat. Trois points à chope. L'aide médicale d'État est maintenue, tout comme la régularisation des travailleurs sans papier sur les métiers en tension et le délit de séjour irrégulier est retiré. Nous ne serons pas les complices de cet échec annoncé. Nous ne voterons pas le texte du projet de loi tel qu'il a été adopté par la commission des lois. Une position partagée par le Rassemblement national. Nous sommes opposés frontalement à cette loi sur l'immigration. Le gouvernement va tout faire pour trouver une majorité et éviter d'avoir recours une nouvelle fois au 49-3.